commandement en repos. Garde à vous. Monsieur le directeur général de la je vous fais un peu lire le score. Mesdames, messieurs, en ce 13 novembre, le ministère de l'Armée rend hommage aux victimes des attentats de l'Armée, notamment à nos deux collègues et deux étrangers dans le 7 épisode dramatique. Je vous propose ensuite de nous projeter au siècle dernier, en 1917. Après les terribles batailles de 1916, dont les offensives de la Somme et de Verdun sont emblématiques sur le front ouest, tous les belligérants sont exsangues. Pourtant, la guerre continue. Ce passage, extrait des annales des douanes et consacré à l'année 1917, en témoigne. Petit livre. La
L'administration des douanes a décidé que le drapeau des bataillons de douaniers en dépôt au Havre serait transféré à Dunkerque pour être placé sous la garde du bataillon numéro 1, le seul qui soit actuellement à l'activité. Le bataillon était en effet, à cette époque, le dernier uniquement constitué de douaniers engagés dans le conflit. On lit également dans les mêmes annales, au début de la campagne, ce bataillon a participé dans les conditions les plus difficiles aux opérations de guerre. Ayant été à la paix, il est juste qu'il soit aujourd'hui à l'honneur. Le monument que vous avez devant vous porte le nom des 25 douaniers qui avaient d'ores et déjà été tués, décédés aux armées ou avaient disparu en ce début d'année 1917. 31 de leurs camarades devaient encore les rejoindre dans ce funeste destin au cours des dernières années de la Grande Guerre, de même que 27 combattants tombés entre 1939 et 1940. À ses combattants, à leurs familles, à toutes les victimes de ce premier grand conflit mondial qui a frappé notre nation, j'adresse, en votre nom et en celui de l'administration des douanes, mon plus profond respect. Le temps passe et l'histoire continue de s'écrire. Le risque est grand que la mémoire s'effondre, voire s'efface. Il ne tient qu'à nous de l'entretenir. C'est pour cela que nous allons aujourd'hui, comme chaque année, devoir de nous réunir pour cette commémoration, soyons dignes de nos ennemis et ne les oublions jamais. Madame la Présidente, je vous souhaite à la bonne carte.